société t'en prie, m'a demandé une fonte chita pour m'entendre. Ça qu'a fait actualité dans l'école publique ou privée. Je compte les faire décision, ça qu'on arrive au même goût, mais y'a pas jamais planifié parce que tout pensait que je connais. Oh, 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 et nous votons même nous votons même nous pas sortis dans même vote, mais pourtant nous tous sortis dans nous pas gagnés même couleur, mais nous tous nous gagnons même couleur ça. Nous pas sortis dans même famille, mais nous vivons dans même pays. Nous pas dans même l'école, mais nous tous recevons même éducation. Si je veux défendre un pays, partout tout semble. Partout tout semble. Pour que je me mette tout ensemble, pour sauver Haïti. Pour qu'il y ait. Nous pas de conscience, pour que nous tout semble. Malgré nos différences. Malgré nos différences. Toujours ressemblé. Pour qu'il y ait. Nous pas de d'accord, pour que nous tout semble. Nous voter maintenant. C'est vrai, nous différents, en rassemblé, en rassemblé. Mais nous différents, nous différents, n'a toujours été semblé, n'a toujours été semblé. Merci aux lauréats des deux premières éditions. Vous avez vu beaucoup d'idées, beaucoup de talents. Et c'est ainsi qu'il faut continuer sur la même lancée. Le jury a pu délibérer. Même jury au beaucoup clair. Eh bien, n'a pas les. Eh bien, Hitson, les membres du jury ont du pain sur la planche. Hein, pour les 12 groupes. Je rappelle que pour la délibération du jury, il y a quatre éléments fondamentaux. Le texte, l'originalité, la mélodie, l'interprétation. J'aimerais rappeler, au total, il y a eu 47 groupes à
participer à ce concours de chant sur le drapeau. Il nous est resté 12 à la deuxième phase finale et les membres du jury sont en train maintenant de délibérer pour le choix des trois premiers lauréats. Et tenant compte de ça, nous observer là comme performance que tout groupe Yosout Bala nous comprendre que situation un peu difficile et compliquée pour le jury parce que de toute façon, il faudrait qu'on fait un choix et puis pour être capable de prononcer le verdict final pour ce concours. On rappelle que pour les primes prévues pour les trois premiers lauréats, mais aussi pour l'ensemble des participants, parce qu'au-delà du fait qu'il y a des gagnants, mais tous et toutes, nous gagnons par ce concours. Parce qu'au fait, au-delà de cet esprit de porter les jeunes à réfléchir sur des thématiques comme le drapeau, comme la question haïtienne, l'unité pour le développement de ce pays, c'est les inviter à d'autres thématiques, à d'autres activités saines. Tous, toutes, par leur participation, ont su apporter leurs idées pour inspirer d'autres jeunes. Tous et toutes ont su, à travers leurs actions, en interprétant ces chants, en apportant ces idées, apporter leur pierre dans l'édifice national. Parce que c'est quelque chose qui nous est permis tous et toutes. Au-delà des 12 finalistes, voilà, tout groupe, toute l'école. On peut, et c'est ainsi qu'on a voulu saluer tous les 47 groupes qui ont participé, ça fait presque 200 jeunes, 181 au total. Exactement. On doit les saluer, vous toutes et vous tous aussi qui êtes là jusqu'à cet instant. Mais à eux, ils méritent aussi parce qu'ils sont là avec nous. Ils méritent de s'applaudir eux-mêmes. Ouais. Nous demandons à leurs assistants de s'applaudir vous-mêmes. Pour vraiment, vous êtes là jusqu'à cet instant, malgré la pluie, vous avez bravé. Vous êtes là avec nous. Merci, merci pour votre présence. Merci également à la TNH. Oui, qui nous accompagne jusqu'à ce destin, qui permet à la population haïtienne de suivre de près, évidemment, cette troisième édition, ce concours de chant sur le drapeau. Alors, les enjeux, je le précise, d'abord, ce qui va rester pour la postérité, ce qui va aider aussi, parce qu'il faut qu'il y ait cette continuité à travers les actions, à travers les œuvres, à travers les idées. C'est pourquoi le premier grand prix, c'est ce CD. Un CD qui rassemble les 12 vagues gravées sur ce CD. Et qu'on pourra, évidemment, demander aux stations de radio. Ils pourront également, dans leur chambre, ailleurs, faire revivre ces moments avec leurs enfants, les jeunes. Voilà. Donc, déjà, il y a eu une distribution, ça va continuer. Tous, ils pourront partir avec le CD, rassemblant les morceaux, leurs œuvres. Deuxième chose, il y a aussi les ouvrages. La connaissance commence par là, exactement. Évidemment. Oui. Donc il y a des lots d'ouvrages que le ministère a lui-même offri à Jeunio qui participait dans le concours. Il faut nous rappeler qu'au début de cette année académique, le ministère a été en caravane à travers tout le pays pour renforcer les bibliothèques dans les lycées. Donc le ministère a été marché bail des lots d'ouvrages, non seulement dans les lycées, mais également dans les universités publiques en région. Et jeunes Sayo, yo même tout, il y a bien possibilité pour yo joindre accès à livre Sayo. Et nous connaissons non seulement connaissance dans le livre, mais également ça capable d'une source d'inspiration ces jeunes. Et livre Sayo, c'est des livres qui traitaient des thématiques très diverses. Sur l'histoire nationale, la littérature, également. Etc. Et aussi, parce que quand on parle de livres aujourd'hui, les jeunes vont au-delà de livres avec leur smartphone, avec aussi le numérique. Il y a aussi des laptops, des ordinateurs portables offerts aux lauréats. Et surtout le clou, le premier lauréat. Oui, le premier, il aura performé le 18 mai prochain. Devant les plus hautes autorités du pays, et donc le président de la République, Alain Caillet, le premier groupe aura performé, celui qui va apporter évidemment la palme de ce soir. Mais aussi, il faut le dire, aussi, c'est important, pour l'année 18-19, le ministre le dira. Le ministère, on va accompagner, les artistes l'ont dit, on va accompagner tous les jeunes, mais surtout pour le premier groupe gagnant, il y a des bourses d'études offertes à ces jeunes. Et ça, c'est l'élément le clou majeur. Alors, le jury, prêt, qui fait office de porte-parole, bien ici, encore et encore. Encore lui. Bon, allons-y. Allons-y pour la délibération du jury.
Oui. Alors, avant Abdi, là, il te l'envie pas ta chance, bah, avec nous. Oui, on dit moi-même. Un petit texte là, sur le drapeau. Avant vas-y. Le verdict final. Ah bon? Drapeau béni de nos ancêtres, sois à jamais sacré pour nous. Nous te saluons à genoux, toi qui vis fuir jadis nos maîtres. Comme autrefois, dans les combats, devant la balle meurtrière, guide et soutient toujours nos pas vers le salut, vers la lumière. Tu nous rappelles les aïeux, car ton histoire est leur histoire. Car ce que nous avons de gloire resplendit dans tes plis soyeux. De la patrie, auguste image, nous t'embrassons avec fierté, voulant, en te rendant hommage, rendre hommage à la liberté. Drapeau, tu vivras autant qu'elle, la liberté, tant que son souffle enflammera notre âme à ton amour fidèle, tant que l'écho répétera vers le salut, vers la lumière, comme autrefois dans les combats, devant la balle meurtrière, ô liberté, guide nos pas. Il y a ici le verdict final. Merci. Parole à vous. On prend note, il faut que nous ne quittons pas participer dans le concours parce que ça c'est en catégorie. Bon, moi-même, l'homme de l'école, l'homme de dans la genou, si je suis une chance, je suis annoncé à la ministre de l'Éducation nationale, c'est un peu trop. Pas de chance. Pour moi-même, je dis, nous sommes des privilégiés. Nous avons des parents nous avec nous, l'école nous avec nous, le ministre avec nous. Pour nous venir dans le concours. Tout le pays a besoin de garder nous là, nous en tirer. Moi, je crois que ça fait de chaque groupe un champion. Parce que parmi 47 groupes qui ont participé, ou fait partie de ça, le pays a une chance de garder aujourd'hui. Et le groupe que le pays a continué à tendre sous ces deux. Un applaudissement parce que nous chaque sommes champions. Mais il y a un bagage qui pile comme fado, il va aller la marché. Et là, il y a une commission, ça allait moi. Et bah, elle ça. Son concours lié, il faut nous déparier, mon Dieu. Nous ne pouvons pas gagner 10 gagnants. Mais j'aime ce dire là, je suis fier de nous tous. Il y en a nous qui étaient performants dans la répétition. Mais stress, je dis, je vais jouer dans le jeu là. Peut-être son expérience sur le fait, ou pas de connaître que l'on chante dans la douche ou l'on chante devant la caméra, bah, elle a changé. Il y en a plein de nous qui sont victimes de ça. C'est mon qui était bien passé dans toute répétition. Et puis je dis, on stresse, on tire pression, fait que yo pour un autre qui manquait juste, yo tombé dehors. Donc, mais tout ça fait partie de ça qu'on croit. Bon, même pas trop fort, non, pas l'envie, parce que mon n'est pas ça, n'envie de tout. Mais il faut m'expliquer, nous. Nous te jugé, mon yo, sous texte là, qui texte ou produit, sous mélodie qui te accompagné, texte ou quoi. Et puis sous gens, on te vient délivrer marchandise là. Tout ça nous t'a fait avant, yo, c'est pas yo t'es côté, c'est ça ou fait jeudi ya, que tout le monde, tout le pays a été branché, t'a gardé. Et dans ce sens, ça, jury ya, qui est là dans nous, le grand petit là, que je vous demande d'applaudir quand même. Hein? En parenthèse, Jean-Jean a un problème familial qui fait le bloquer Montréal. Il vraiment essayer tout bagaille, il pas garde. Et on apprend ça, on a réfléchi. On dit, ben, il faut que je nous monde. Mais on a ce bon monde qu'on a besoin. Nous avons un grand monde. Un grand monde qui a une autorité. Un monde, lui, il dit, on va gagner, c'est quel qui dit, c'est pas vous, vous voulez le dire. Il vient d'entendre, suivant ça, le connaît, et tira, il va se présenter le jour d'hier. Nous connaissons que dans le domaine, ça, son mafou. Donc, c'est un honneur pour nous être capable de passer. Nous, je vais regarder Télémax, dès qu'on a pris un mec, il a tiré, je dis, si je suis chanceux, tu as sur la même table, il a tiré, il est d'accord avec moi. Donc, mesdames et messieurs, pour nous, toi, nous nous belo balade. Bâton applaudissement pour Tamara Belo Bia ici. Qui gagne chance. Chita Souta. T'as vu à Tira. Un gros va lié. En même temps, ça m'a mis pour la vie dans la chivon. Les petits m'ont parlé.
de sous même tabac tire attention hein, faut faire attention vraiment son bel mot. Merci à Loudada qui était dans 4. Bon à soya nous connaît que nous gain 3 gagnants que nous retenu sous prestation oui en fait 3 pique gagnants yo puisque c'est 12 gagnants nous gain là basé sous prestation sous ça nous était ouais ça nous détendait j'ai été gérer stress j'ai été prendre note là j'ai été monté j'ai été descendre j'ai été virer j'ai été saluer. Nous pral commencer par troisième prière, monsieur Vincent suspect. Ministre suspect, ministre ta même connaît. En fait, il y a deux ministres qui suspect. Ministre Nesman Negas suspect. Mais assoyez mesdames et messieurs, on nous bat un gros applaudissement pour troisième groupe là, troisième groupe là. Un gros applaudissement pour troisième groupe là. Qui ça t'aime qu'on croit? On nous lit t'aime qu'on croit. On nous lit ensemble 3 4. Drapeau nous. Haïti. Ah ben, mettez main, mesdames et messieurs. Troisième groupe qui est arrivé, mettez main pour remporter troisième place. Assoyez-vous, bon petit, bon petit roulé, monsieur, ça n'est pas bon petit roulé, bon petit roulé, bon petit roulé, pour faire le grand matin. Mesdames et messieurs, on appelle sur scène le groupe Mission Espoir en troisième place. Appelez Mission Espoir pour monter scène dans votre genou. Appelez Mission Espoir pour monter scène dans votre genou. N'a pas de mission espoir pour accompagner M. Sénat. N'a pas de, voilà, applaudis, applaudis. Applaudis, applaudis. N'en face ça, yo. N'en face ça, yo. N'en face ça, yo. N'en face ça, yo, tout qui est déception, sorti espèce pas tombé. Ou même qui devant télévision la caille, ou dit, ah, ça, yo, bam là. Ben, bon. C'est comme ça, nous-mêmes, en fonction de prestation jeudi, hein, de gens qui ont porté projet, hein, Mission Espoir, c'est groupe qui sorti en troisième position. Dans la troisième édition concours, drapeau nous, c'est fierté nous. Haïti, c'est pas nous, en métier. On va passer deuxième à un dernier applaudissement, s'il vous plaît. Je saute loin, je saute loin. Ok. Pour rouler pour moi, rouler pour moi, rouler pour moi, pour moi, rouler. Vraiment pas facile. Donne en place ça. Li vraiment pas facile parce que faut pas quitter sentiment personnel ou parler. Moi même si c'était pour sentiment personnel, moi peut-être était qu'à changer, mais gain en réalité. Nous essayer faire suivant gens nous comprendre nous-mêmes. Nous même qui l'artiste ça yo, nous pas monde qui besoin d'être une bon l'autre. Nous faisons un concours et nous dit ça nous ouais en fonction de ça qui est fait jeudi. Et peut-être pas choix que ou même ou t'as fait, mais nous quoi que nous fait là avec nous. Depuis le départ, nous remettre pour nous concours. Et dans ce sens, le groupe qui a une chance pour le classer en deuxième position, dans la troisième édition, maintenant suspect. Dans la troisième édition, mesdames et messieurs, on applaudissement s'il vous plaît. On applaudissement. Nous appelons sur scène le Collège évangélique Salem. Applaudissez-les s'il vous plaît. Collège évangélique Salem. Le Collège évangélique Salem. C'est le même qui est classé en deuxième position pour la troisième édition concours du ministère de l'Éducation nationale. Ah ouais, ouais, ingénieur. Ouais, ingénieur. Ingénieur sorti en premier place pour le bon volume. Ingénieur by mille pour le volume. On applaudit, on applaudit, on applaudit, vous méritez ça. Yes. Monsieur le ministre, vous avez voulu regarder l'enfant? Nous avons pas WhatsApp pour. Dans la dernière phase là, moi-même vraiment content. Dans l'époque, par exemple, si maman m'a fait chanter, qui beau. Je dis à parents, combien de petits qui ont mené au nom concours. C'est un bon signe. C'est un signe que sa musique était avant quelques années, il y a l'autre bagage. Je dis. Longtemps, tu es un musicien, tant qu'on raté. Attention, chef là. Longtemps, nous sommes musiciens qui ont raté. Si nous avons fait musique, c'est parce qu'il venait dans l'école, il n'y a pas encore. Il dit chantait. Ou bien je n'ai pas vu la guitare là, il chantait. Non. Je dis à nous, l'autre image. Nous comprenons que picoter rapide, il y a gagné ses musiques. Picoter rapide, il y a gagné ses musiques. Naturellement, l'on fait une thérapie, si on prend une dose là, ou qu'on va être plus malade. Nous connaissons une musique qui ont été en thérapie, pas une bonne thérapie. Mais, généralement, ou content, gros musicien font musique pour vous. Qui est pas content, gros musique ou qu'elle chante. Ou besoin volant l'air,
bon musique qu'elle chante. Ou à marié, bon petit musique fait déjà pour. Ou dans l'enterrement, bon musique qui fait pour. Ou à travailler pas ton beau copé au moins, vous pouvez toucher, bon musique pour chanter. Et pour qu'on joue chanter le tout. Yo fait une bonne chèque là, qu'on l'autre chante chanter. Ouais, musique, il prend place tout côté. Et je dis, y a, parmi tout artiste, qui a pour une image qu'une bateau remet, là nous jeunes des artistes, qu'une carrière remet des oreilles nous, petites nous. Ah oui, ok. Ah, tu vas parler, oui. Monsieur le ministre, nous avons un album nous fait avec Timon Sayo. 12 musiques saxo du là sont album. Je dis à ces élèves l'école, mais demain, si ça tente, si les parents continuent à accompagner, si il y a une raison pour ça, vous avez des chanteurs professionnels. Et œuvre ça que vous produisez aujourd'hui, vous allez côté la privée demain. Si vous demandez, vous avez fondé ma côté ou prend 12 Timon Sayo. Ou accompagner dans BHDA. Pour les haïtiens droits d'auteur, pour aller sécuriser l'œuvre ça. C'est quand même un vieux. Alors nous plaider de dire que artiste haïtien mourir pauvre, mais nous beaucoup plaider de faire rien pour empêcher ça. 12 gros talents ça yo qui vient si dit ça, monsieur le ministre, au bon job dans main, pays engagé là. Bon, moi je suis engagé là. Dans notre cigane engagé pour accompagner Simon ça yo dans les haïtiens droits d'auteur pour aller sécuriser. Ça. Bon, mon applaudissement, s'il vous plaît. Ok, ok, ok. Groupe Assoya, qui pour nous-mêmes fait différence là. Non, j'en le pote texte li, j'en le gère stress li, j'en le exécute affaire li, j'en le te gen confiance dans tête li, même s'il te stressé, mais au range quoi il fait bien là. Groupe ça, c'est les mêmes qui premier groupe à soi, c'est grand gagnant. Et c'est eux-mêmes qui pourraient avoir chance à le jouer 18 mai à KAE, dans la grande cérémonie officielle pays. Ils hein? Pourraient le jouer 18 mai à KAE. Ben, ça m'a dit qu'il faut y révéler l'homme de l'école. Ça, c'est un gros mouvement. Je dis à le faire pour drapeau. L'année prochaine, la fête son l'autre sujet, mais sujet qui a attiré l'attention de Timounio sous pays. Parce que moi-même, dis une bonne forme de Chili. Saint-Domingue sont forme de Chili. Il y a moun qui go Chili qui arrive Saint-Domingue. Il y a moun Chili par la Belgique là, le vivre qui Haïti, il ramasser tout à fait la Belgique. Son forme de Chili. Il y a moun li quitter là, la vivre Canada en suspens, quitter crème pays pour aller, pour aller. Paysan aller, artisan aller. On va quitter ça, mais le vélo pas d'accord. Mesdames et messieurs, roulez pour me couler, bon applaudissement. Roulez pour mon applaudissement. Roulez pour mon applaudissement. Roulez. M'a demandé de pour camper, m'a demandé tout pour camper. M'a demandé tout pour camper. Applaudis, bla, 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 bla. Gagnant, le grand gagnant de ce soir. Le collège, le collège, le collège, le collège, c'est François Dassé. Applaudissez-les s'il vous plaît. Applaudissez-les. Voilà. Nous connaissons que. Yes. 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 200,000 balles d'accord là, Tonya. Yes. 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 Monsieur le ministre, s'il vous plaît, veuillez nous rejoindre sur la scène, monsieur le ministre. N'a pas de ministre pour rejoindre sous scène, non? Balle d'accord parce que j'aime te dire là. Appelle monsieur Vincent. Assoya. Nous connaissons que peut-être jury n'a pas arrivé dans ça où tu espérais. Mais jury n'a pas grand-chose raison pour craser tout le monde que nous aimons. À ce qu'on s'allie, nous avons un collège Saint-François d'Assise qui est en première position. Salève en deuxième, mission d'espoir en troisième. Nous avons demandé au ministre pour le monter scène si vous voulez nous rejoindre nous avec Gananeo. Voilà.
Très bien. En pile d'émotion, en pile déception tout, mais c'est comme ça. C'est ça la vie. Monsieur le ministre, je viens faire job là. Je viens faire job là, je viens faire nouvelle là. Mais dans le je passe au micro. Mais si vous nous demandez pour nous accompagner si vous tout côté dans le pays autour d'un thème qui est concours drapeau. Mais résultat nous baoua, merci mon yo. Bon, merci beaucoup et nous disons merci à tous les parents qui accompagnent Timounio. Nous avons avec nous là deux anciens ministres, Lesmio Aniga, Reginald Paul. Et avant de démarrer, nous avons parlé de nous dit, il y a un job pour nous battre pour aller dans la place là. Tellement de difficile. Parce que nous avons 12 groupes, nous n'avons pas de qui ça va faire. Tout à l'heure, collègue Lesmio Aniga vient nous dire que. Quel est le sessions de la 6 qui a premier? Pour l'asile, tu es là, tout l'attendais sans l'abdi. Et l'autre monde qui va au côté de a dit, garde un jury. Donc, c'est ça qui fait dans le pays ça. Faut chaque monde apprendre à faire ça ou qu'on fait. Donc, si c'est cordonnier, fais soulier. Si c'est tailleur, fais pantalon. Donc, chaque monde fait ce qu'on fait. C'est ça, ça montre qu'il y a soir là. Nous avons une équipe artiste qui qu'on sait faire, qui font travail, tout le monde dit, c'est un travail objectif. D'abord, nous dit félicitations à 12 groupes ça, yo, parce que tous ces gagnants, j'en ai assis là. Mais notamment, nous avons 3 groupes ça yo, là. Et premier groupe là, collège Saint-François d'Assise. Et il faut que nous disions tout, leur font travail. Il faut que vous fassiez avec un pile passion à tout le monde. Dès le premier jour, l'équipe a été passée dans le collège Saint-François d'Assise, mais yo mobilisé. Si moun yo mobilisé et nous t'al rendre visite on l'air dans collège ça laisse ça tout moun sa été absent yo t'al faire préparation et jodi a nous qui ça bail les gain persévérance les gain bon gens préparation et bien c'est moment pour moi pour me dire félicitations à tout le groupe et surtout à trois groupes ça yo félicitations à membre jury yo qui font travail très objectif tout monde content et même l'autre groupe yo parents yo qui là amis yo qui là directeur l'école qui l'a eu, que tout ouais que jury a fait un travail objectif, sans passe pour qui, sans parti pris, j'en ai une château de deal là. Et nous saisissons occasion ça. Il y a ici deal à plusieurs reprises dans la conférence de presse. Jodia, nous besoin en Haïti en l'autre jeunesse. En jeunesse qui besoin d'encadrement. Parce que l'Elta dit ça, je suis étonné. Nous toujours critiquer les jeunes, dit pas qu'à faire rien. Et pourtant, il y a un pile jeune qui a un pile talent, soit dans la littérature, soit dans l'histoire, soit dans la musique et l'autre encore. Et à ce moment-là, nous nous compte de tout ça, nous comptons dire, et nous voyons que nous démarrer pour nous gagner un autre pays, parce que nous sommes sur route pour nous gagner notre jeunesse. Nous disons, l'avenir du pays dépend des jeunes. Si les jeunes sont bons, nous avons un bon pays demain. Et je dis à tout le monde, nous sommes fiers en pile de passer nous. Nous avons de présent nous avons une inquiétude pour l'avenir nous. Mais je dis avec jeune ça, nous sommes capables d'avoir espoir que nous sommes sur route pour l'autre Haïti, un Haïti tout bon vrai, un Haïti que nous tous nous rêvons de gagner. Merci. Nous avons tout là, nous avons demandé. Nous avons invité le directeur général du ministère à rejoindre nous. Excellence, monsieur le ministre, on est avec nous. DG, nous avons demandé de rejoindre nous sur le plateau. N'a pas invité tout, ni ministre Lesmi Maniga, ainsi que ministre Reginald Paul, pour rejoindre nous tous, par Boy site. Pour nous déca remettre, évidemment, parce que nous allons passer à la remise de prime au lauréat. Donc, il est important pour eux même tout, qui était contribué par IDEO, par contribution. Là, avec nous, numéro 2 ministère, directeur général, docteur Milo Jeune, on invite de rejoindre nous. Et les deux autres ministres qui sont présents, merci de rejoindre nous là. Alors, m'a dit nous, ministre dit engouement. Évidemment, du côté des sœurs de Saint-François. Mais c'est vrai qu'on aurait pu citer l'anecdote. C'est la sœur, vraiment personnellement, était venue au ministère en quête d'information pour le suivi de ce. C'est personnellement. Mais je vous demande si vraiment les filles de Saint-François d'Assise ont pu aujourd'hui reporter la palme. J'étais là. Jean-Jean était là avec moi. Tamara. Là, donc Jean-Jean a pu participer, il n'est pas là, il aurait pu attester. Quand on est passé, la soeur avec un engouement nous a amené dans les salles. Je me suis adressé à l'assistance au nom du ministère. Jean-Jean l'a fait. Et tout de suite, elle a pris ça en main. Elle est revenue au bureau du ministère.
sans guérir, comment procéder, parce qu'elle veut vraiment que les filles s'impliquent. Mais je vous demande de l'applaudir. Elle est là, hein, Sœur Séchard. Elle est là, vraiment, vraiment, vraiment. Et l'engouement des responsables, c'est ainsi peut-être pour d'autres responsables, mais elle l'a fait, elle est venue personnellement au bureau de communication. Elle a même pu voir le ministre pour manifester son soutien et suivre de près. Et je vous assure, hein, elle roule. Elle est à la fois assez jeune, tu vois, elle balance entre les deux. Mais vraiment, c'est une dame qui a, cette bonne soeur, contribué même à la fondation de... C'est une autre chose que le ministère devra se pencher vraiment pour saluer ces congrégations qui apportent leur contribution à l'éducation en Haïti. Merci au ministre Jean-Pierre Détoula, merci au ministre Maniga, merci évidemment au ministre Cadet qui a pris les choses et qui nous a permis de continuer à apporter. Alors, nous allons aussi nous rejoindre sur scène. Parce que si cette édition a pu être réalisée, disons dit fait, vraiment, Goudana, on ne va pas cacher. C'est manager BIC, mais qui font un travail extraordinaire. Bon, jury a fait ça pour le défaire. N'a pas de même jury à rejoindre nous. Venez, bon, Tira et Samara, nous allons tout rejoindre nous là. Donc, n'a pas demandé au fur et à mesure, nous parlons d'abord au premier lauréat, les filles de Saint-François. Pour passer primo que les ministres DG du ministère évidemment vont remettre la première primo à toute participante. Belle bagarre, hein, merci. Bah, job la Dieu. Merci. Merci de nous rejoindre là. Voilà. Merci Raoul. Je rappelle, nous disons merci à Raoul, mais Raoul Denis Junior nous accompagne, c'est pas sa première édition avec le ministère, il nous a accompagnés dans le cadre de projets de lecture visant à aider les enfants à lire, à apprendre à lire mieux, parce que c'est l'apprentissage qui commence par là. Quand on peut lire, on peut bien lire, on apprend à lire, on peut mieux faire les autres matières. L'apprentissage de base, c'est la lecture, c'est important, et il a joué un rôle important dans les projets antécédents du ministère. Merci Théra de continuer à nous accompagner dans d'autres projets importants pour les jeunes. Alors, on apporte, d'abord pour les filles de Saint-François, merci. Merci de nous faire le relais. Où sont les autres belles dames du ministère qui devraient nous accompagner dans la transmission de ces belles primes à ces jeunes? Vous êtes cachés quelque part, il faut venir par ici. Alors, on y va, monsieur le ministre, d'abord l'honneur vous revient pour aux filles de Saint-François, voilà, pour la remise, oui, et puis suivi de DG. Pour la remise de deuxième prix. Aux filles de Saint-François d'abord, on va remettre. On va remettre aux filles de Saint-François DG pour la deuxième. Voilà, merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vraiment, une belle sentie, nous. Rapidement, on a vu, on y va. Venez. Ok, voilà. Celle-ci. On prend. Voilà. Merci. Oui, le jury tira. Vous remise aussi, voilà. Merci. À ces jeunes, merci. Il reste. Oui, on continue. On apporte. Là, c'est d'autres éléments importants là. Voilà. Monsieur le ministre, pour apporter pour la fille de Saint-François encore. Voilà. On y va. Oui, oui. Ça c'est pour les premiers lauréats, oui, oui, voilà. Oui, non, pour les premiers lauréats, toujours. Oui, le ministre, monsieur le ministre. Un à un, voilà. Okay, oui. Voilà. Encore une fois, ministre Maliga, voilà. C'est la C6, voilà. On y va, devant chaque fille, voilà. On y va. On passe.
Merci, on passe rapidement au deuxième groupe, la remise des primes. Là, rapidement, on remet encore le ministre dans un deuxième groupe, Évangélique Salem. Voilà. Sous vos applaudissements, remise des primes, s'il vous plaît, faites ça de nous. Voilà. Merci, merci, merci. Merci encore. Alors, monsieur le ministre, il faut qu'on remette. Bleu, rouge, la panne, n'importe couleur. C'est sans ans, c'est nous qui t'écoulons. Voilà, Évangélique Salem, j'ai servi. Maintenant, on continue avec l'autre groupe, le dernier groupe lauréat. Oui, allons-y. Attention. Un peu plus rapidement, on avance pour la remise des primes à ces lauréats qui ont su vraiment faire vibrer l'assistance, qui ont su charmer tout le monde, le jury évidemment par leur performance, comme on l'a dit. Allons-y, allons-y. De l'espoir maintenant qui reçoit les membres de vraiment les élèves de la mission du collège Mission de l'espoir qui reçoivent leur prime. Voilà, on leur remet les trois groupes gagnants de ce soir. D'abord c'est François d'Assise, on l'a dit, collège Évangélique Salem en deuxième position, et évidemment en troisième position le collège Mission de l'espoir. Vraiment ces jeunes ont su nous émerveiller ce soir par leur talent, par la qualité de leur texte, aussi par la qualité de la production. Je rappelle aussi que de loin, chez vous, chez eux, il y a d'autres personnes qui suivent évidemment cette cérémonie grâce à l'appui de la télévision nationale d'Haïti, dont nous saluons le directeur général qui a su évidemment mettre toute cette équipe qui en direct continue. Je vous demande s'il vous plaît un applaudissement pour la TNH, parce que si d'autres personnes arrivent maintenant à participer avec nous à ce concours, c'est grâce évidemment à la télévision nationale d'Haïti qui nous permet à la population de vivre cet événement. Merci encore une fois à la participation de toutes et de tous ce soir. Merci à tous ces jeunes qui ont su nous émerveiller. Merci évidemment de continuer à les accompagner, parce que c'est un effort qui commence, c'est pas fini. Merci. Merci, évidemment, le ministre l'a dit, d'autres l'ont dit. Tout le monde a gagné parce que à travers ce concours, tout le monde a su apporter ses idées. Tous les groupes qui ont su participer ont pu nous permettre d'apprécier leur talent, les valeurs des idées qu'ils ont pu transmettre à travers d'autres jeunes pour continuer dans cette quête d'éducation à la citoyenneté, pour ce renouvellement, le renouvellement des idées, le renouveau de ce pays qui nous est cher. Important, évidemment, ce message aussi à travers les directions d'école, dont nous devons applaudir, parce que c'est les directions d'école qui ont eu à accompagner aussi ces jeunes, qui les ont permis d'être présents ce soir. Merci à ces directeurs d'école qui étaient là, qui sont là jusqu'à cet instant, surtout ceux et celles qui sont venus de loin. Nous apprécions aussi la participation de ces villes de province qui ont su évidemment, par leur talent, jusqu'à cet instant, être présents dans ce moment, dans cette cérémonie. Je rappelle cette édition, c'est la troisième édition dans le cadre de cette campagne d'éducation à la citoyenneté. D'autres types d'événements sont à venir, et c'est tant mieux pour le bien, pour l'encadrement dont on parle de ces jeunes. Merci encore au ministre, mais nous pas qu'à parler. Les deux ministres qu'il a, probablement, avant de terminer, il y a un mot pour vous dire. Ministre Maniga, qui a lancé deux grandes éditions, pas qu'à dire un petit mot avant de boucler. Ministre Maniga, on a une petite parole pour dire bonjour. Monsieur le ministre Agnès Okade, c'est le ministre Réginald Paul, directeur général. Même si je ne commençais pas nous, mais pas le premier monde pour me commencer à saluer, c'est 12 champions là, plus 3 que le jury a choisi. Même pas Gabriel Baye me dit. Je me souviens, l'homme a commencé l'initiative là, il y a 2-3 personnes. On critique comme des copains, on dit, n'est-ce qu'il y a une folie minusculture.
Je fais deux hommes qui ont folie minuscule, ça fait musique ma brigue. Heureusement, moi, on l'autre ministre qui est folie minuscule. Je m'en débat de bravo pour lui. Parce que vous comprenez que ça qu'a fait là, musique, éducation, artistique, esthétique, c'est l'école Zaïto. Et utiliser tant libre jeune pour que vous soyez capable de performer, montrer talent, pas de temps pour ça. Je vais vous remercier, remercie et féliciter Loudana Chancy. Bien ici avec toute équipe jury, hein, moi qui a cherché un gros map pour encadrer, qui font un gros travail. Je pense que nouveau secondaire, grand pile bel travail pour le faire devant. Cours éducation artistique et esthétique, je pense que grand pile importance pour que talent ça soit capable de percer. Soirée, c'est soirée pas nous, c'est pas soirée, nous parlons pile. Félicitations. Dans la quatrième édition, je sollicite la quatrième édition. Je prends place bassiste là, je vais tout. Bien dit. Vous connaissez l'heure sous scène, lumière dans le jour, on parle devant. Nous, même pas forcément tout le monde qui est là. On fait toute soirée à féliciter TNH qui met une live. Mais l'homme font garder bien, moi, je suis téléguiné. Là, je demande un gros applaudissement, mesdames et messieurs, pour téléguiné déplacer tout, venir couvrir soirée à soir. Je dis pour merci Melody. Bon, je fais tout effort moi, pour venir parce que j'étais en salle de classe, justement dans mon cours et de méthodologie à la faculté de linguistique appliquée. Malgré un gros appui, je me dis bon, faut venir quand même et participer et, parce que c'est une initiative louable et moi féliciter tout jeune. Les 12 groupes. Les 12 écoles, parce que à travers tout ça, nous entendons des expressions vraiment, une série de bagages extrêmement intéressants en termes de valeur. Et me rappelez moi, j'ai insisté sur ça dans le discours que j'ai fait le 18 mai en 2012, en essayant à le ressourcer nous, les anciens, pour nous chercher la valeur qu'il a caillou et puis pour nous capables d'essayer comment développer le pays. Toutes mes félicitations. Je félicite le ministre Maniga qui a pris l'initiative là. Je félicite le ministre Kader qui continue l'initiative là. Et nous espérons que ces pombes cap campé là continuer pour permettre à d'autres jeunes, eux-mêmes, de venir exprimer talent. Et surtout, essayer de comment être capable de souder nos coudes à coudes avec drapeau ça, avec deux couleurs ça, bleu et rouge. Merci. Merci, ministre Paul. Nous avons invité l'autre groupe gagnant, rejoignez-nous. Parce que nous allons faire bouquet final. Cette fois-ci, membre jury au bal quitté pour jury. Artiste au bal devant. Il y a ici, Bello, Tamara, bon ici là. D'ap campé là. Et puis d'ap invité l'autre groupe. Tous les groupes, tous les finalistes, rejoignez-nous sur le podium, s'il vous plaît. Merci. Et nous allons finir, pendant que nous avons fini, nous avons demandé DGA, rapprochez de nous, s'il te plaît, DG jeune. Parce que Jodial dit deux mots importants. Il dit, à travers le concours, il y a deux bagailles qu'il a dit. Patriotisme, vivre ensemble. DG, reprenez la parole là pour nous, pour la clôture. Alors, juste avant, moi, je voulais dire un gros remerciement à tout le monde en général qui participait, qui baille tout le monde, tout le cœur pour l'activité de Jodial. Dit à tout le monde pour féliciter Tetio pour l'initiative ça. Et nous connaissons, ça fait longtemps que nous sommes en route et pour nous perdre toute fierté, nous, toute dignité nous. Et nous connaissons le sens du patriotisme, c'est ça qui est capable de faire nous sortir dans l'abîme, qui est capable de retirer nous dans un état qui n'est pas normal, qui n'est pas correct que nous y a. Nous connaissons. L'indépendance l'a pris avec l'union, l'unité nationale. C'était l'union fait la force qui te permet de gagner sa indépendance et qui fait aujourd'hui, nous avons un drapeau, nous avons fierté. Et nous sentons que depuis bien longtemps, nous avons en route pour nous perdre fierté ça. Nous avons en route pour nous perdre tout sens de responsabilité nous gagner. Parce que, bien entendu, nous perdons ça, nous relève le patriotisme.
nous songer et gien moun ki li tout gien un auteur américain qui fait la même année avec moi qui dit nous devons apprendre à vivre ensemble sinon nous allons nous périr tous comme des idiots et ça fait journée jodia nous unis et nous toutes nous ouais comment les nous gien sens ça nous rele patriotisme là les nous quitter bagaille et d'aka dit individuel yo pour nous entrer dans ça qui commun hein. Et journée jodia si nous garder Jean Nobel là c'est parce que nous sommes des patriotes et patriotes là lui-même c'est pas un monde qui pral lutter qui pral travailler pour bonheur lui-même seulement mais pour bonheur collectif là pour bonheur tout le monde et c'est ça qui fait journée jodia nous devons féliciter tête nous pas gain l'autre côté pour nous passer c'est avec jeunesse là. Jeunesse là c'est avenir nous c'est avenir pays nous même nous pral quitter ça nous pral partir qui c'est qui pral assurer à relève là c'est la jeunesse pour raison ça moi souhaiter que nous tous ensemble n'a fait qu'on ouais des salines de fer là qu'on ouais petit de fer là mais de façon cordiale en nous quitter tout bagaille qui pas correct en nous vinn de vrais patriotes et laisser nous pas patrie poche n'a pas défendre intérêt collectif. Merci. Merci DG. Bon, parole la boîte ici au Gounial pour le bouquet final. Moi que à côté